Alors, si vous vous demandiez, est-ce que c'est dangereux de voyager au Salvador? Ben, détrompez-vous, c'est vraiment sécuritaire, en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est aller voir la police qui vont vous escorter pour vous emmener à la dite chute Los Tercios qu'on s'en va voir. On est en direction du volcan Santa Ana. Et puis, j'en profite pour vous présenter Guillaume et Stéphanie qui viennent de se joindre à l'aventure au Salvador pour une belle semaine. Puis, on parlait justement qu'on voit pas souvent les en dessous là, des beaux moments de voyage. Bien là, c'est la crevaison de notre pick-up qui faisait partie du cheminement de genre, faut aller vraiment vite parce qu'on va manquer le départ. Fait que là, on perd. Change le pneu, faut qu'on se rende, mon gars. Ah ouais.